Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'atelier d'Agathe. Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante Stampin'Up depuis 6 ans et demi et j'ouvre des parenthèses créatives sur Facebook un mercredi sur deux à 20h45, donc sur la page de l'atelier d'Agathe, et l'autre mercredi sur deux, c'est sur la page de Peggy Kogiek, qui s'appelle Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin'Up 44. Alors ce soir, j'avais envie d'attirer votre attention sur des nouveaux dies Stampin' Up qui vont vous permettre de faire des petites boîtes oreillers comme celle-ci pour agrémenter des tables de Noël, des tables d'anniversaire, de mariage, pourquoi pas des thèmes pour un baptême ou tout simplement pour faire un petit cadeau à quelqu'un en y glissant soit des friandises, soit des petits cadeaux. Je verrais bien un petit bracelet, un bijou. Moi, personnellement, j'ai offert ces boîtes-là à mes clientes qui sont venues lors de mes ateliers de la semaine dernière. Alors, dedans, j'avais glissé, dans celui-ci, j'avais glissé les fameux nounours à la guimauve dont je suis friande, bien sûr. Et dans celui-ci, je ne sais plus ce que j'avais mis. Ah oui, j'avais mis des chocolats parce que j'avais cherché une friandise qui est la même couleur, le même, qui soit assortie en fait aux couleurs de ma boîte, noire et dorée. Donc, ce sont des mi-chocos. Voilà. Bon, alors, je vous présente les dies. Ces dies-là, vous les trouvez dans notre nouveau mini-catalogue saisonnier, donc de fin d'année 2021. Et il est en première page, hein, page 6, non, page 9. Page 9, vous les retrouvez ici. Et ils vont vous permettre de faire des boîtes à oreiller, mais avec différentes fermetures. Donc là, comme ça, on ne le voit pas forcément. Donc, j'ai envie de vous montrer comment on fait. J'attire votre attention sur ces deux papiers-là. Ici, ce sont des papiers craft en petites feuilles, en 15,2 par 15,2. Du papier craft qui est assez épais et qui est idéal pour faire cette découpe. En fait, d'ailleurs, cette boîte-là, je l'avais faite directement dans le papier craft, ici. Donc, elle est assez épais et il se tient très bien, il se découpe très bien. Les autres papiers qui sont là, ce sont des papiers imprimés qui s'appellent pain d'épices et bonbons. Alors, on y retrouve à l'intérieur donc des petites feuilles aussi, suffisamment grandes pour découper le die de la boîte. Dans des tons couleur café, doux suède, rouge rouge, vert olive, donc des tons des couleurs traditionnelles de fin d'année, avec des motifs très très gourmands ou pas d'ailleurs. Et avec à chaque fois de l'autre côté, vous savez, il y a souvent un papier, un verso qui est plus graphique, on va dire, plus géométrique. Alors, je ne sais pas si les couleurs rendent très très bien à la vidéo, mais il est assez sympa. Il est très gourmand, moi, je trouve. Vous montrerai tout à l'heure une boîte que j'ai faite avec. Alors, ces dies, on appelle ça des poinçons hein, chez Stampin' Up. Les voici. Et je vous ai préparé une petite planche pour vous rendre compte, pardon, de ce que ça rend quand on les découpe dans un papier. Donc, évidemment, ce die-là, c'est le die principal qui va vous faire toute la boîte. Il va vous faire des petits traits de couture en haut de la boîte, là, la fameuse collerette. Et puis, il va vous marquer des plis. Hein, tous les plis vont être marqués quand vous allez le passer dans la machine de découpe et de gaufrage. Et il y a besoin de la passer qu'une seule fois pour faire la boîte. Donc, c'est celui-ci. Pour agrémenter le haut de la petite collerette, on a trois dies différents qui vont vous permettre de faire trois fermetures différentes. Fermeture ou décoration. La petite collerette fleurie qui va vous donner ceci. Voilà. Une petite collerette avec des fentes arrondies en forme de fleurs. Alors, je ne sais pas si ça rend très très bien à la vidéo, mais voilà ce que ça donne. Donc, c'est coupé, en fait. Et puis, le troisième va vous permettre de trouer la petite collerette pour pouvoir y passer un ruban, une ficelle. OK? Ensuite, on a trois petites étiquettes bien sympas que l'on peut utiliser sur d'autres projets que la boîte, après tout. Donc là, celle-ci va vous donner cette forme-là avec, alors j'imagine qu'on ne voit pas très très bien la vidéo, mais il y a les petits traits de couture tout autour du die qui va marquer le papier. Et c'est la même chose pour celui-ci, les petits traits de couture tout du long, et qui va vous faire une étiquette plus allongée. En revanche, sur cette petite étiquette-là, elle n'a pas les traits de couture. Elle est plutôt amenée à être accrochée, un peu comme j'ai fait ici, directement au ruban, et à être mobile sur la boîte. D'accord? Et on a également quatre fleurs. En fait, c'est deux fleurs, une grande et une petite, que l'on a deux fois dans le lot de die. Alors, ces die-là, ils sont bien pensés parce que vous allez pouvoir découper à la fois la grande boîte et
la déco de la petite collerette en même temps. Alors, je vais vous montrer rapidement. Il vous faudra une feuille de 11,5 par 15. Et dans votre machine de découpe et de gaufrage, vous prenez votre candaille et puis vous choisissez la collerette que vous souhaitez mettre sur le haut. Donc, par exemple, si je prends les petites fleurs, en fait, il suffit simplement, on va vous découper les deux en même temps parce que le die des petites fleurs vient épouser le bord du grand die. Donc, c'est super facile et du coup, on a une découpe qui est parfaite, quoi. Donc moi je passe, je fais deux allers-retours pour être sûre que mes plis soient bien marqués. Ça craque, c'est pas grave. Alors un aller, maintenant mon deuxième aller-retour. C'est vraiment pour bien marquer mes plis parce que vous allez voir qu'après, c'est important que les plis soient bien marqués pour faciliter la formation de la boîte en fait. Que ce soit plus facile. Alors. Voilà, voilà ce qu'on obtient. C'est chouette, hein? D'ailleurs, je vous ai fait toutes les découpes possibles. Voilà, donc celui-ci avec les petites fentes. Et puis, celui-ci avec les petits trous. Et je vais vous montrer comment utiliser chacun d'eux. OK? Donc, je vais commencer par vous montrer comment utiliser les petits trous. Voilà un exemple de boîte où j'ai passé un ruban après avoir trouilloté mon papier. Je l'ai découpé, j'ai découpé mon grand die dans du papier, je ne sais pas si vous le reconnaissez ce papier-là. C'est du papier que vous pouvez avoir gratuitement. En ce moment, on est dans la période de Celebration. Elle a commencé le 3 août et elle va jusqu'au 30 septembre. Et en fait, à chaque fois que vous dépensez 60 euros d'achat, eh bien, vous pouvez choisir un cadeau dans la petite brochure Celebration. Et donc, ce cadeau qui se trouve sur la page 3, il s'appelle absolument pétillant et porte bien son nom parce qu'il brille de mille feux. Donc, ce sont des petites feuilles hein, en 15-15 et ils sont suffisants pour, ils sont suffisamment grands en fait pour passer notre grand die boîte. Et on aura même un petit peu de rab ici pour faire de la déco. Donc, c'est comme ça que j'ai fait cette boîte. Et donc quand on l'ouvre, l'ouverture elle est assez facile, hop, voilà, elle s'ouvre comme ceci. Alors ce que vous remarquez, c'est qu'on a nos deux trous que j'ai fait en haut, mais du coup il faut deux trous en dessous pour pouvoir bien passer le ruban et fermer la boîte. Donc je vais utiliser cette découpe là que j'ai déjà trouillotée, mais je vais y apporter une petite nuance. Je voudrais reprendre du papier pétillant, en fait je l'ai découpé. J'ai découpé le haut de ma boîte, la collerette, sur mon papier pétillant. Donc, j'ai obtenu ceci. Et je l'ai recoupé ensuite avec mon cutter le long du pli. Ici, on a un pli. Donc, quand j'ai fait ma découpe, après, j'ai retaillé avec mon cutter le long du pli pour avoir vraiment que la collerette. Cette collerette, je voudrais qu'elle dépasse en fait de mon papier uni, juste pour donner une petite bordure pétillante, brillante à ma boîte. Donc, je vais reporter avec mon crayon l'empreinte de mes trous pour pouvoir trouilloter uniquement mon papier pailleté. D'accord? Donc, je reprends ce die-là et je vais le découper. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas découpé les deux? Pourquoi tu n'as pas collé d'abord ton papier brillant et sous le papier uni et tout passé à la machine? En fait, je l'ai essayé, mais c'est trop épais. Hein, il est quand même assez épais, ce papier-là. C'est trop épais et du coup, ça ne trouillotait que le papier uni, mais pas le papier brillant. Et en plus, comme c'est assez épais, ça faisait la marque, ça me faisait la marque de mon die ici. C'était pas joli. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Ce n'est pas bien grave. Ensuite, j'ai utilisé, alors soit vous utilisez des glue dots, vous savez, les petits points de colle qui se présentent comme ceci, là, en petits points de colle, puis bah, vous en collez quelques-uns ici sur votre papier uni avant de le coller sur le papier pailleté. Parce qu'en fait, la colle, cette colle-là sur du papier pailleté, ça ne marche pas bien. Même en laissant sécher, j'ai essayé, c'est pas top. Donc le mieux, c'est ou les glue dots, ou ce scotch-là qui s'appelle Stamping Steel Plus. Donc on en a deux chez 5.9, il y en a un où il n'y a pas le plus. Il vaut mieux prendre celui
y a le plus. Et c'est ce que je vais faire là. Hop, je vais venir mettre un petit peu de scotch. Et là, je suis sûre que mon papier brillant, il sera bien collé. Donc là, je fais exprès de faire déborder le papier pétillant du haut de ma boîte. Et j'aligne évidemment les trous que je viens de faire. Voilà. Donc, pour pouvoir passer mon ruban, il faut que je reporte ici. Oh, pardon. Pour pouvoir passer mon ruban, il faut que je reporte deux trous de l'autre côté. C'est-à-dire que là, je vais marquer mes plis horizontaux. Celui-ci et celui-ci. Voilà. Je vais refermer ma boîte à plat. Et de nouveau, je vais venir reporter l'empreinte de mes trous sur cette partie-là. Et de nouveau, avec le dail, patata, je vais trouilloter. Je reviens. Voilà. Bon, voilà. Donc après, vous allez voir, c'est plus facile de former les oreilles de la boîte si la boîte est déjà un peu courbée. Donc je prends mon pliroir et je vais l'utiliser à plat comme ça. Et je vais tirer mon papier tout en maintenant mon pliroir sur mon plan de travail. Vraiment pour courber, commencer à courber ma boîte. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Et sur la petite collerette. Voilà. Et ma boîte, elle est déjà un petit peu courbée. Ça n'empêche qu'avant de former ma boîte, je vais commencer à préplier les petites oreilles de chaque côté. Mon pli était déjà fait, hein, par le dail. Alors, quand on forme la boîte, moi j'aime bien utiliser les oreilles, enfin rabattre les oreilles de derrière avant les oreilles de devant. C'est celles de devant qui vont venir chevaucher celles de derrière. Comme ça, on a un joli pli ici, alors que derrière, ben, on a la jonction, enfin on a la fermeture, c'est moins joli de ce côté-là que de ce côté-là. D'accord? Donc on se met bien en situation. Et normalement, si tout va bien. Voilà, les oreilles se chevauchent sans problème. Donc une fois qu'on est OK, alors on vérifie que les petits trous. Bon là, c'est un léger décalage, mais c'est pas grave, je vais quand même réussir à passer mon ruban dedans. Donc, si on veut la fermer, moi je vais coller mes deux oreilles ici. Donc je vais mettre de la colle ici, sur les oreilles du devant, qui vont venir recouvrir les oreilles de derrière. Donc là, j'utilise de la colle, mais j'aurais pu aussi utiliser mon Stampin' Seals. Là, je vais mettre de la colle. Et puis, je vais laisser sécher. Non pas que j'ai peur que la colle le bave, quoique. Mais c'est surtout que je voudrais que ma prise, elle soit immédiate. Parce que là, si je colle tout de suite mon papier, eh ben, il va falloir que je maintienne avec mes doigts le temps que la colle prenne. Et j'ai pas envie. Donc, je vais laisser sécher. Et pendant ce temps-là, voilà, c'est sec. Donc, je me remets en situation et je viens coller bien bord à bord mes petites oreilles. Donc, comme ma boîte est ouverte sur le haut, je peux passer mon doigt ici à l'intérieur. Et pareil de l'autre côté. Donc si jamais ça peut arriver, vous avez un pli qui n'est pas très très net, n'hésitez pas à reprendre votre pliroir et puis hop, à passer comme ça, suivant l'arrondi, pour vraiment finir le pli. Ça permet de rectifier un petit peu quand le pli n'est pas bon. Voilà. Donc je passe mon ruban, là, les fameux 30 cm. Donc, je passe une extrémité par l'intérieur et je vais le faire ressortir. Et je fais pareil avec l'autre extrémité de mon ruban. Il ne me reste plus que le petit nœud
à faire. Comme je veux. Bon, je ne coupais pas trop quand même parce que la personne à qui vous allez l'offrir, il faut qu'elle arrive à refaire le nœud après hein, quand même. Voilà. Donc après, hop, une petite fleur. Je peux venir alors soit sur le devant, soit sur le côté. Alors, je ne sais pas trop, je vais me mettre sur le côté. Et la boîte est terminée. Alors, je mets juste un petit point de colle. Allez, je vais la mettre là. Voilà. Et ma petite boîte est terminée. Elle est toute belle. J'avais réfléchi à une autre version. En fait, je voulais vous la montrer, puis j'ai oublié l'étape où il fallait tamponner. Là, la même boîte, il n'y a pas la petite fleur. Par contre, j'ai tamponné, donc avant de former ma boîte, un petit message ici, un petit sentiment. La vie est faite de petits bonheurs en couleur café. Et c'est un sentiment qu'on retrouve dans le set dans vos mots. Il est ici. C'est un set de tampons qui est réservé aux hôtesses lors de la Celebration, c'est-à-dire les hôtesses qui organisent un atelier chez elles avec leurs copines. Eh bien, elles peuvent gagner ce lot de tampons en tant qu'hôtesse. Voilà. Ça, c'était bon pour la première version avec les deux petits trous en haut de la collerette. J'espère que ça vous plaît. Alors, une autre version avec les fameuses petites fentes en forme de fleurs. OK? Donc je vous montre en fait à quoi vont servir ces pentes-là. Je reforme ma boîte. Voilà. OK. Comme tout à l'heure, je vais en coller mes oreilles de devant. Et attendre que ma colle sèche un petit peu. Et voilà. Donc, pour la fermer, cette boîte, je vais utiliser la petite étiquette allongée que je vais découper dans du papier. Alors là, j'ai choisi de faire du papier dans du papier couleur café et je l'ai déjà tamponné et embossé en or. D'accord? Alors, ce bout de tampon que j'ai utilisé, il vient de ce set de tampons qui s'appelle Banderole enjouée. Il est là, le plein de bonheur. Donc, je l'ai embossé et je vais venir, en fait, pour fermer ma boîte, je vais utiliser la petite fente. Et je veux que ma boîte vienne, hop, s'agripper sur mon étiquette, comme ceci. Donc, je vais coller mon étiquette en fonction de la position de cette petite fente. Donc, je vais mettre de la colle sur le bas de mon étiquette allongée. Pour que ma collerette ait la place de passer sans être encollée. Voilà. Donc je la centre également sur la largeur, mon étiquette. Et quand je suis prête, hop, je viens coller mon étiquette sur ma boîte. Voilà. Donc là, je n'ai pas attendu que ça sèche, donc je vais être obligée d'attendre un peu avec mes doigts. Et voilà. Et ma boîte est fermée. Pour décorer un petit peu le dessus, j'avais pensé, donc j'ai pris la grande étiquette cette fois-ci, celle-ci, que j'ai découpée. Alors, je ne savais pas trop si j'allais faire du ton sur ton, donc du très vanille ou du couleur café. Et j'ai déjà pré-marqué mon pli à la moitié avec mon coupe-papier. Donc là, je vais faire en même temps que vous. Je ne sais pas si je fais. Alors, et également, je l'ai embossé. J'ai utilisé un plioir à gaufrage qui s'appelle Toile Brute dans le gros catalogue. Et alors si on fait ton sur ton, ça redonne pas grand-chose.
Et sinon, je le fais en couleur café. Juste un petit, une petite collerette sur le haut. Pourquoi pas? Mais je crois que je préfère en ton sur ton. Alors, c'est subtil, à la vidéo, vous ne voyez pas, mais le fait que mon papier soit embossé, ça fait quand même une différence. Oui, une différence plus subtile, mais intéressante. Et puis surtout qu'après, je vais venir mettre une de nouveau une petite fleur ici, comme ceci sur le dessus. Donc ouais, je vais faire comme ça. Donc hop, je vais en coller mon étiquette. Donc là, qui m'a pas vraiment servi d'étiquette, mais plus de décoration pour mon dessus de boîte. J'aurais pu ne rien mettre du tout, hein, et puis juste mettre ma petite fleur comme ça. Hein. C'est vraiment pour vous montrer l'utilisation de ce die. Et pour le détourner surtout. Faire autre chose qu'une étiquette avec. Voilà. Alors, pourquoi elle ne veut pas sortir celle-ci? Voilà. Alors j'aurais pu courber aussi mon papier un petit peu avant pour lui donner déjà une forme arrondie et faciliter le collage. Mais bon, c'est pas grave. Un petit point de colle sur ma petite fleur. Donc c'est la même fleur que tout à l'heure. Avec du papier couleur café en dessous et mon papier absolument pétillant sur le dessus. Et puis bah voilà, j'attends que ça prenne. Alors, je suis désolée, ça rend pas très bien à la vidéo, mais bon, voilà, ça donne ça. Et la fermeture, et la boîte, du coup, elle s'ouvre tout simplement comme ceci. Et elle se rentre grâce à la petite fente dans mon étiquette. Bon, j'aurais dû attendre que ça. Je dis toujours qu'il faut attendre que la colle sèche. Hein. Ben voilà. Je vais aller trop vite. Voilà, la boîte est terminée et elle tient fermée. Alors, la troisième option, celle-ci avec la collerette en forme de fleur. Alors, là encore, j'ai découpé dans mon papier paillettes, puisque on va voir, c'est dans le thème, dans mon papier absolument pétillant, j'ai découpé de nouveau le haut de mon die, le haut de ma boîte, et j'ai retaillé ma découpe ici selon le pli, sur le pli. Hein. Je me mets dans le die, il est vraiment à ras du pli de la boîte. Comme tout à l'heure, je veux faire apparaître mon brillant sur le bord, mais je veux qu'il soit du coup aussi apparent sous mes petites roues de fleurs. Donc de nouveau, j'utilise mon scotch super fort. Voilà, du coup, je vais en mettre que. Je vais essayer d'en mettre un petit chouïa quand même. Hop. Si ça déborde, hop, je le replie sur lui-même. Voilà, parfait. Alors j'en ai un peu sur le plan de travail, mais ça va, j'arrive à l'enlever. Du coup, je vais même aller un petit peu plus loin. Je vais faire celui-là et je vais faire celui-là. Ça déborde, c'est pas grave, je replie sur lui-même. Voilà. Et je viens coller mon papier pétillant en dessous. Là, ça va être trop joli parce que on va le voir davantage que sur la boîte précédente. Parce que il est ajouré là au niveau des petites fleurs. Voilà, ça me plaît bien. Donc là, toujours pareil, on forme nos plis vers horizontaux. Toujours faire attention quand on plie qu'on soit bien bord à bord avec la forme du dessous. Hein. Je plie, je forme déjà un peu ma boîte en l'arrondissant. Voilà, je préforme. Alors comme mon papier est un peu courbé, c'est bien plus facile. En fait, je courbe vraiment, je forme, je courbe un peu mon papier. Et là, vous allez voir, c'est super facile. C'est plus facile quand le papier il est déjà courbé de former ses plis. Je le courbe entre mes doigts, là, je le courbe un peu et je marque les plis.
comme ceci. D'accord? Comme tout à l'heure, j'en colle mes deux oreilles en collant celle du devant qui va venir se coller par-dessus celle de derrière. Et je vais attendre que ça sèche. Et là, pour fermer ma boîte, j'ai pas de fente, j'ai pas d'étiquette, je vais décorer, je vais créer un bandeau. Donc, je vous montre ce que ça va donner. Pendant que ma colle sèche ici, voilà comment on peut fermer aussi, une autre option pour fermer la boîte et l'ouvrir facilement et rapidement. Un petit bandeau. Alors le petit bandeau, puisqu'on est resté dans le thème du pétillant, j'ai découpé une petite bande ici de papier pétillant de 1,5 par 13 cm. Et puis j'ai marqué un pli avec mon coupe-papier, alors là je l'ai fait à 3 cm, mais vous faites bien comme vous avez envie, qui va déjà vous permettre de caler votre bande sur un des côtés de la boîte. Alors, voilà. Et donc, ma petite bande ici avec le pli que j'ai fait à 3 cm, je vais le placer comme ceci. Et du coup, je n'ai pas fait mon deuxième pli parce que tout va dépendre de comment vous avez courbé votre boîte et l'épaisseur qu'elle va avoir à la fin. Même si on doit avoir à peu près tous la même boîte, je n'ai pas voulu le faire et juste vous montrer que j'ai en effet un premier. Puis après, le deuxième, bah, vous allez le former par vous-même en fonction de la boîte que vous avez. D'accord? Et pour les joindre les deux, moi, j'ai choisi de mettre un petit point de colle, même deux. Donc, je vais mettre un petit point de colle. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Et un deuxième juste à côté. Ces points de colle, ils collent super fort. Ils sont vraiment bien pour le scrap. Et donc, je serre mon bandeau autour de ma boîte. Je le serre assez hein, quand même. Voilà. Et je dois pouvoir l'enlever facilement et le remettre facilement aussi. Voilà. Et puis la jonction entre mes deux extrémités, eh bien, je vais mettre une petite fleur pour changer. Je vais la coller, puisque je suis sur du papier paillette, je vais la coller avec un point de colle. Parce que je vous rappelle, la colle sur le papier paillette, ça marche pas. Enfin, ça marche pas bien. Donc, hop, je prends un petit glue dot, je le mets à l'arrière de ma petite fleur. Et au moins, voilà. Et je le colle vraiment à la jonction entre mes deux extrémités de mon bandeau. Et voilà. Et donc, j'ai ma petite boîte qui s'ouvre comme ceci pour attraper les petites choses à l'intérieur. C'est ultra facile, encore plus facile que le ruban de tout à l'heure. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer une autre option. Alors là, du coup, je vais refaire avec vous. Vous avez promis que je le ferai de toute façon. Ma petite boîte noire qui est très classe, très chic. Donc, vous avez compris, j'ai découpé dans mon papier noir mon grand die avec en même temps le petit die des fleurs ici. Et j'ai découpé dans du papier doré cette fois-ci, non on n'est plus dans le papier paillette, dans du papier doré, le haut de ma collerette que j'ai coupé le long du pli. J'ai, alors là pour le coup, heureusement que je l'ai fait parce que je l'ai préparé à l'avance, sinon ça aurait été un peu long. J'ai mis des petits points de colle, mais j'aurais pu mettre aussi ce scotch-là, mais bon, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser cette colle-là, vous faites plein de petits points, et puis alors là, vous attendez que la colle soit transparente. Très important parce que si vous faites des traces de colle sur le papier métallisé, eh ben, ça ne pardonne pas. Hein. Vous êtes bonne pour recommencer. Ou bon pour recommencer s'il y a des hommes qui me regardent. Pardon, j'avais oublié. Donc on obtient ceci. Après on colle l'un sur l'autre pour avoir vraiment le côté doré à travers les petites fleurs et en bordure. Comme d'habitude, on marque ses plis horizontaux en premier. On fait attention à être bien bord à bord quand on plie, hein, c'est jamais. On va venir hop, courber notre papier, puisque on se rappelle que c'est plus facile de faire les plis des oreilles quand le papier est déjà courbé. Voilà. On commence par les oreilles de derrière. Tac.
Et là, je vais ouvrir ma boîte sur le côté. Donc, ça veut dire que là, pour faciliter l'ouverture, là, par exemple, là, je vais passer mon petit doigt. Et c'est facile à ouvrir parce que j'ai fait perforer ma double épaisseur avec une petite perforatrice. Où est-ce qu'elle est? De 1 pouce et demi, mais enfin, peu importe le diamètre. Vous allez passer la double épaisseur dans la perforatrice. Et puis, je vais faire un presque cercle entier. En tout cas, plus que la moitié. Hop! Pour pouvoir vraiment faciliter l'ouverture et pouvoir glisser mon petit doigt à l'intérieur. Sinon, c'est galère. S'il n'y a pas le petit arc de cercle, c'est un peu galère à ouvrir. D'accord? Et puis souvent, dans le commerce, hein, les boîtes oreillers que vous achetez, il y a cette petite fente ici, même des deux côtés. Mais là, c'est pas bien d'en faire des deux côtés. Je vais en faire que d'un côté. Et l'autre côté, je vais le coller comme on a fait précédemment. OK? En laissant sécher la colle. Et je ne vais pas coller le côté où j'ai fait mes petits trous, mes arcs de cercle. Par contre, le dessus, il va être collé lui aussi. C'est-à-dire que là, toute ma déco, je ne vais pas m'embêter à défaire mon nœud, à enlever l'étiquette pour ouvrir ma boîte. La déco, elle reste en place et j'ouvre ma boîte par le côté. Je trouve que c'est plus sympa, c'est plus joli, c'est plus sympa. Donc, ça veut dire que le rabat ici, il faut que je le colle. Mais attention, parce que je me suis fait avoir, je ne veux pas que vous vous fassiez avoir vous aussi. Quand vous collez, il ne faut pas vous mettre de la colle tout partout là, parce que ici, il y a une ouverture légère là. Si bien que si vous mettez de la colle ici, par exemple, eh bien, quand vous allez coller, il va y avoir de la colle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'intérieur. Sur la partie, il va y avoir de la colle sur la partie blanche. Hein, je sais pas. Voilà, là on la voit. Au fond, là, la petite partie blanche, c'est le dessus de ma collerette. Donc si j'ai de la colle dessus, eh ben, ça va être tout poisseux à l'intérieur. Je ne sais pas si vous mettez des bonbons, les bonbons ils vont venir se coller sur la colle. Donc, comment on fait? Eh bien, on va se remettre. Comment on fait? C'est vrai ça? Ah oui, je me mets à plat comme ça. Et puis, je vais venir reporter juste le bas, ici, de l'empreinte de ma collerette. Voilà, comme ça. Et du coup, c'est pas la collerette du dessus que je vais en coller, c'est celle du bas. Et donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là, en tenant compte des empreintes de papier que j'ai faites. Et comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas de colle à l'intérieur de ma boîte. Voilà. Alors, normalement, on ne doit pas avoir le trait de crayon. Hein. Donc, si on le voit, vous prenez une petite gomme et puis vous gommez le petit trait de crayon. Merci Greg pour ton stylo gomme qui est juste génial pour ce genre de choses. Voilà. On attend un petit peu que ça prenne. Et puis, ici, pareil, on va mettre de la colle pour fermer un des deux côtés. Donc, je mets un peu de colle comme ça. Puis j'attends que ça sèche. J'attends qu'elle sèche. En attendant, je peux préparer la déco. Donc, je vous explique comment j'ai fait. J'ai découpé dans du papier métallisé doré ma dernière étiquette qu'on n'a pas encore utilisée. Comme ça, on aura tout utilisé ce soir. J'ai préparé... Ah, oh, bah si, je l'avais préparé. Ah bah, elle est là. Je suis bête. Elle est déjà collée, c'est pour ça. J'ai préparé ma petite fleur avec la grande fleur en noir et la petite fleur par-dessus en doré. Et puis, j'ai mis un petit strass noir brillant par-dessus. Pour tamponner le pourtois, j'ai utilisé de la Stazon. Vous savez, c'est de l'encre. Il ne faut pas utiliser de l'encre à eau parce que sinon, ça va baver, ça ne va pas tenir. La Stazon, c'est une encre spéciale qui permet de tamponner sur les surfaces lisses. Donc, par exemple, le papier métallisé, comme j'ai fait ici, mais aussi sur des photos, sur du papier fenêtré, du rhodoïde. C'est idéal pour tamponner sur les surfaces lisses. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai utilisé également une petite cordelette que vous retrouvez aussi dans le catalogue annuel de Stampin' Up. En fait, ils se vendent par deux. Il y a une petite bobine dorée, puis on a la même chose en argenté.
Et moi, j'ai beaucoup utilisé ça. Et donc, du coup, en fait, en attendant que ma colle elle sèche, on peut déjà faire notre décoration après tout. Ah oui, alors, il faut faire attention d'avoir la même longueur de chaque côté, sinon vous allez avoir un problème pour faire votre nœud. J'ai fait un petit nœud comme ça, et je crois, oui, c'est ça. J'ai refait tout de suite un double nœud pour bloquer ma petite cordelette. Voilà. Après, je peux la faire coulisser pour la remonter si je veux, là, qu'elle soit un petit peu plus haute. Voilà. Et puis, j'ai passé ma petite étiquette grâce au petit trou. Et puis, j'ai fait un petit nœud sur le dessus. Et ça, c'est une déco que vous pouvez peaufiner sans risquer, enfin, sans... La personne, il faudra lui expliquer, hein, mais il ne faudra pas qu'elle s'embête à défaire le nœud et pour ouvrir la boîte. C'est plus pratique. Voilà. La petite... Oh là là. Mon petit nœud. Donc après, vous ajustez, hein, si vous voulez couper, vous ajustez votre boucle. C'est très chic, hein. Mais bon, imaginez sur une table de Noël, sur une assiette de Noël, c'est classe quand même, c'est chouette. Ou même pour un anniversaire. Je sais pas comment. Voilà. Bon, est-ce que c'est sec? Ça commence à sécher un peu. Vous avez vu, commence à devenir transparente. Je vais attendre encore 2 minutes. Voilà, je peux déjà fermer ce côté-là. Je ne vais pas vérifier mes plis, mais je vais repasser un petit coup de plioir pour pas avoir un pli bien net. Voilà. Oh, j'adore. Voilà. Et puis là, allez, on va dire que c'est bien. Je vais laisser sécher un petit peu. Hop. Voilà. Donc, je repasse un petit coup de plioir encore ici. C'est une habitude que j'ai prise, hein. J'en ai fait quand même un certain nombre. Et voilà. Ma petite boîte se ferme et s'ouvre facilement sans avoir à défaire la déco. Voilà, donc vous avez vu, avec ces dailles, plein de possibilités. Vraiment. Et quand on regarde le catalogue, eh ben, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, Voilà, je en vais gros, refaire les différentes possibilités pour utiliser ce die. Donc, vous avez vu, hein, on peut faire plein de choses. L'option bandeau, hop, que l'on ouvre comme ceci. Ou l'option qu'on ouvre sur le côté, hein, comme c'était le cas pour ces deux-là. On a l'option avec cette petite collerette avec les fentes qui vont nous permettre de venir glisser la collerette sous l'étiquette. Donc là, j'avais une autre version. Hop, pareil. Et puis la dernière option avec le petit nœud que l'on peut faire grâce à nos petits trous. Voilà. Alors bien évidemment, c'est pas tout ça. Toutes ces versions-là, on peut aussi découper directement dans du papier imprimé. Donc là, c'est ce que j'ai fait dans les papiers, enfin des pièces et bonbons que je vous ai montré au début. Voilà. Donc là, j'ai fait une ouverture. Oups, je l'ai mis à l'envers, pardon. Là, j'ai choisi l'option ouverture sur le côté pour pouvoir glisser mes gourmandises à l'intérieur. Et j'ai simplement, là, je ne me suis pas embêtée de savoir quelle décoration de collerette j'allais faire puisque j'ai découpé avec la grande étiquette, un petit texte que j'ai collé par-dessus. Et puis, forcément, les petites fleurs qu'on retrouve sur le bas. Et ça, typiquement, pour un Noël, c'est sympa. Donc là, j'ai utilisé, est-ce que je les ai sortis? J'ai utilisé un nouveau set de tampons qui s'appelle Sapin Fantaisiste. Donc j'ai pris les petites boules de Noël ici que j'ai tamponnées plusieurs fois sur mon papier, puisque j'ai colorisé avec mes marqueurs à alcool, les Stamping Blett. Et j'ai utilisé ce petit sentiment-là, un Noël douceur, que je trouve sympa. Je dis souvent le mot sympa, hein, je sais. Et donc, voilà. Par exemple, là, j'en avais préparé une. Ah, oh, encore à l'envers. Il est temps que j'aille me coucher. Voilà. Et qu'il ne me reste plus qu'à coloriser pour faire une deuxième boîte. Mais bon, c'est sympa aussi, ça, pour une table de Noël. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. J'espère que je vous aurai donné envie de réaliser des petites boîtes oreillers.
Vous avez vu, c'est pas compliqué. Il y a un petit coup de main à prendre au niveau du pliage, mais quand vous avez les bonnes astuces, notamment le fait de bien courber votre papier et de le former en arrondi, de le courber avant de mettre avant de plier les oreilles, et ben c'est un peu ça le secret, hein. Voilà, j'ai pas remis celui-là. Je sais pas si je voulais, si je vais remontrer celui-ci. Et puis alors, avec le papier absolument pétillant, ça rend vraiment bien, hein. Pour les fêtes, ça va être super. Donc du papier que vous pouvez avoir gratuitement pendant la célébration. Je vous rappelle, à chaque fois que vous dépensez 30, 60 euros, vous gagnez un cadeau à choisir dans cette petite brochure. Voilà. Et je voudrais terminer, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur ma page, j'organise une tombola jusqu'au 31 août. Alors, cette tombola, en fait, ça va être sur le même principe que la Celebration, si vous voulez. À chaque fois que vous dépensez 60 euros d'achat, vous gagnez un ticket de tombola. Donc, vous faites une commande de 60 euros, je comptabilise un ticket de tombola à votre nom. Si vous faites 120, eh bien, c'est deux tickets, etc., etc. C'est comme les cadeaux Celebration. Donc, jusqu'au 31 août, toutes les commandes sont comptabilisées pour la tombola, qu'elles soient passées directement, enfin, que vous me contactiez directement sur Facebook, sur mon portable, sur Messenger, ou que vous ayez passé à un atelier chez moi entre le 15 et le 31 août, ou par mail, enfin bon, peu importe, toutes les commandes sont comptabilisées et je fais gagner en premier lot la mini machine de découpe et de gaufrage, en deuxième lot le Stamparatus, le fameux positionneur de tampons qui est juste génial, et en troisième lot un assortiment de marqueurs Stamping Bright de la collection Brillant. Voilà, donc bonne chance. C'est un événement qui est vraiment personnel, hein, ça n'engage pas Stampin' Up. Pour tout vous dire, c'est pour fêter mon voyage, le voyage incitatif que j'ai gagné chez Stampin' Up pour la première fois cette année. Donc j'avais envie de marquer le coup, on va dire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à bientôt. Bye bye!